Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur Ramage, chers étudiants, chers intervenants, cher monsieur le directeur du pôle. Ce soir, nous avons le plaisir de rencontrer monsieur Christian Ramage qui vient pour la première fois dans nos locaux à l'invitation d'Hillary. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et pour la conférence que vous allez animer ce soir. Monsieur Ramage, vous avez été membre de la délégation française à l'ONU à New York, consul de France à Hong Kong, directeur de la sécurité des ambassades, ambassadeur de France au Brunei et consul général au Karachi. Vous avez une très riche carrière professionnelle et vous nous proposez une conférence sur le métier de diplomate, cadre, mission et voie d'accès en retour d'expérience et témoignages professionnels et personnels de votre part. Pourriez-vous nous expliquer lors de cette conférence, selon vous, selon votre expérience, comment la France est représentée à l'étranger, quelles sont les personnes engagées dans cette représentation, les différentes missions, et nous parler surtout de vous et de votre expérience. Merci. Monsieur le directeur, madame la directrice, merci à tous pour votre présence, pour m'écouter. Donc, je vais vous parler du métier de diplomate. Alors, c'est une intervention que je fais régulièrement depuis pas mal d'années. Pourquoi ? C'est l'adaptation du Quai d'Orsay. Il y a un petit logo en bas à gauche, c'est Quai d'Orsay dans les murs. Vous voyez, en fait, c'est un programme du ministère des Affaires étrangères qui invite les diplomates à aller porter la bonne parole, à rencontrer nos concitoyens pour expliquer ce que font les diplomates. Parce qu'en fait, en France, mais pas qu'en France, je m'aperçois dans le monde entier, les populations ne savent pas trop ce que font les diplomates. Si je pose la question, par exemple, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà rencontré et discuté avec des diplomates français ? Ah, un seul ? Deux ? Ouais. Donc, voilà, ça montre bien qu'il y a très, très peu de concitoyens qui rencontrent des diplomates français. Il y a plusieurs raisons. D'abord, les diplomates français, nous sommes ou à Paris ou à l'étranger. Donc déjà, on n'est pas à Lyon. Enfin, s'il y en a un quand même qui est conseiller diplomatique auprès du préfet de région, mais c'est assez récent. Ensuite, nous ne sommes pas très nombreux. Les diplomates français vraiment titulaires de la fonction publique, on est 3 000. Il y a 6 millions d'agents de l'État en France, nous sommes 3 000. Donc on est très, très, très peu nombreux. Ensuite, une autre raison, vous rencontrez tous dans votre quotidien des médecins, des enseignants, des plombiers, des policiers, des commerçants. Vous ne rencontrez pas de diplomates. Donc, du coup, vous ne savez pas vraiment ce qu'ils font, parce que ce n'est pas dans votre quotidien. C'est normal. Et puis, par exemple, si vous regardez la télévision ou si vous allez au cinéma, il y a des séries, il y a des films qui mettent en scène et qui parfois font l'éloge, et c'est très bien, de policiers, de gendarmes, de militaires, d'infirmiers, de médecins, de brocanteurs, je pourrais vous trouver plein d'exemples. Le diplomate, je ne connais pas de films, je ne connais pas de séries qui mettent en scène des diplomates. Pourtant, on le fait pour les forces spéciales, il y a une série actuellement sur les forces spéciales qui est très bien faite, des films sur les forces spéciales, il y en a plein. Pour les espions, qui sont encore moins nombreux que nous, il y a cette série vraiment formidable qui s'appelle Le Bureau des légendes, que je vous engage à regarder, qui donne vraiment une vision assez réaliste de ce que font les espions. D'ailleurs, depuis la diffusion de cette série, Le Bureau des légendes, sur la DGSE, les candidatures à la DGSE ont été multipliées par 5, voilà, pour donner une idée justement du travail de promotion qui peut être s'avérer parfois très utile. Nous, au Quai d'Orsay, on ne sait pas faire ça, on n'a personne qui est venu nous voir, on dirait je voudrais faire une série sur les diplomates. Donc on se contente de faire un programme comme celui que nous avons, le Quai d'Orsay hors les murs, pour vous expliquer ce que font les diplomates. Donc généralement, la population ne sait pas ce que font les diplomates. Donc moi je vais essayer de, alors qu'en plus je m'adresse à des étudiants, je vais essayer de répondre à 3 questions. Tout d'abord, que font les diplomates? Je vais essayer de vous décrypter, de vous décrire, de vous expliquer ce que nous faisons. Ensuite, puisque vous êtes étudiant, je vais vous expliquer, vous présenter comment devenir diplomate, quelles sont les différentes voies, il n'y en a pas qu'une, et heureusement. Et puis je reviendrai sur mon bilan de 40 ans de vie diplomatique, puisque dans quelques mois, je vais prendre ma retraite, et j'aurai 41 ans de vie diplomatique, 41 ans au Quai d'Orsay, précédé par 5 ans comme officier de marine, donc je vais avoir 46 ans de vie
au service de l'État. C'est quelque chose que j'ai ancré dans moi, dans mon ADN, le service de l'État. Donc, je vais commencer par la première question. Que font les diplomates? Alors, là, dans le mois prochain, je vais devant le Rotary Club. C'est une association, le Rotary Club, le Lions Club, vous connaissez. La moyenne d'âge est de 50 ans, 60 ans et plus. Et généralement, je commence ma conférence pour répondre à la question que font les diplomates. J'ai avec moi ce qu'on appelle un Rocher Ferrero. Je ne sais pas si vous connaissez ce chocolat. Voilà. Alors, pour vous, ça ne dit rien du tout, le Rocher Ferrero, je pense. Peut-être, si. Ah, si, si. Ah, oui, c'est quoi? C'est quoi le Rocher Ferrero? Ouais, la puce Ferrero. Ben, je pensais pas que ça passait encore en 2023, mais je pensais pas que les jeunes de votre génération connaissaient la puce Ferrero. Enfin, quand je sors mon Rocher Ferrero, tout le monde rigole, puisqu'il y a cette pub, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pub il y a 20-30 ans, mais qui est devenue culte, où il y a une réception dans une ambassade, et où on sert du champagne, on sert des mets fins, et puis, mais tout d'un coup, à la fin, un serveur amène une pyramide de Rocher Ferrero. Et alors là, tout le monde s'extasie, il dit, ah, les Rocher Ferrero, la réception de l'ambassadeur ne peut être réussie que s'il y a des Rocher Ferrero. Donc on associe le Rocher Ferrero à l'ambassadeur, et l'ambassadeur à cette vie en réception, en dîner et tout. Alors, c'est une caricature, vous l'avez compris, mais c'est aussi la vérité. C'est-à-dire que nous passons, je vous en parlais, beaucoup de temps en réception, dans des dîners, et il faut que ces réceptions soient prestigieuses, il faut qu'on fasse honneur à la gastronomie française, ça fait partie de notre vie. Mais c'est qu'une petite partie de notre vie, c'est peut-être 1%, 10% selon les cas, ça peut être le jour du 14 juillet, ça va être 60% de notre activité, mais c'est qu'une petite partie. Moi, je vais vous parler des 90, 80, 60% qui restent quand nous ne sommes pas à des réceptions. Alors d'abord, notre cadre de travail, on travaille au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui s'appelle ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle ministère des Affaires étrangères et du développement international, le ministère des Relations extérieures, peu importe, on va dire Affaires étrangères. Alors c'est un ministère qui est très très peu connu. Alors vous entendez parler sans arrêt, vous entendez parler lors des négociations, lors d'une visite ministérielle, vous entendez parler du ministre des Affaires étrangères, de la ministre des Affaires étrangères, mais le ministère en lui-même est très peu connu. La raison est la même que pour celle des diplomates, parce que nous sommes peu nombreux et nous sommes un tout petit, petit ministère. Mais on a quand même un rayonnement qui n'a rien à voir avec nos moyens humains et nos moyens budgétaires. Et des missions sont peu connues, je vais essayer de les décrypter, et nos métiers sont peu connus aussi. Alors, moi j'ai l'habitude de dire que notre bureau, c'est la Terre, c'est le monde. Là, vous avez une carte du 1er janvier 2022, j'ai pas pris le temps de scanner là, 2022, mais rien n'a changé. Donc les points rouges, ce sont les ambassades de France. Les points verts, ce sont les consulats généraux de France. L'ambassade de France est toujours dans la capitale du pays. Et le point vert, c'est un consulat. Et un consulat dépend de l'ambassade. Il peut y avoir zéro consulat dans un pays que l'ambassade, auquel cas l'ambassade a une section consulaire, je reviendrai, et puis avoir, comme aux États-Unis, une ambassade à Washington et puis une dizaine de consulats, pareil en Chine. Donc, on est à peu près partout. Qui sait combien il y a de pays aux Nations Unies? Ouais, c'est bien, 193, j'ai entendu. Donc, 193. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir 193 ambassades. On n'a pas 193 ambassades, aucun pays a 193 ambassades, parce qu'il y a des pays qui sont vraiment tout petits. Mais en tout cas, nous sommes un peu partout. Nous avons ce que l'on appelle un réseau universel. Qu'est-ce que c'est un réseau universel? C'est un réseau où, en gros, on essaye d'être présent partout. D'être présent partout, à la différence d'un réseau qui va être, on va dire, plutôt à priorité, un réseau spécialisé. Par exemple, les Espagnols, ils ont un réseau, ils ont une ambassade dans chaque pays d'Amérique du Sud. Ils sont très peu présents en Afrique, très peu, à part vers le Maroc, dans certains pays hispanophones. Ils sont très peu présents en Asie. Voilà, ils se spécialisent. Idem pour les Allemands, ils sont naturellement très présents en Europe de l'Est, mais ils vont être très peu présents en Afrique. Nous, on a choisi d'avoir un réseau universel. Ça paraît évident de le dire, ce n'est pas évident du tout. Il y a eu une contestation régulière de la part je vous appelle les épiciers parce qu'il n'y a pas d'autre nom, les hauts fonctionnaires de Bercy. Depuis, pendant des décennies, ont voulu réduire le nombre d'ambassades, ont voulu que l'on ferme des ambassades pour justement réduire les coûts aussi du fonctionnement du ministère des Affaires étrangères. Il a fallu monter au créneau à plusieurs reprises. Depuis une dizaine d'années, c'est acquis, c'est un choix du président de la République, de tous les présidents de la République, depuis une quinzaine d'années même, le réseau des affaires étrangères doit être universel. C'est-à-dire que nous devons être présents dans toutes les régions du monde.
même si ça a un coût, les députés de Bercy doivent accepter ce coût. Voilà. Donc, on est présent partout. Et ça, c'est je dirais que c'est une des premières richesses du métier. C'est ce qui attire des candidats par centaines, non pas par centaines, par milliers chaque année sur les concours du Quai d'Orsay. C'est cette possibilité de travailler partout dans le monde. Donc, vous qui étudiez les relations internationales, nous, notre bureau, c'est le monde international. Alors, grand réseau universel, et ce réseau, on a le troisième réseau au monde, avec le nombre d'ambassades, de représentations permanentes, sachant qu'une représentation permanente ou une mission multilatérale, c'est la même chose, c'est une ambassade auprès d'une organisation internationale, à différence d'une ambassade, qui est une ambassade dite bilatérale, auprès d'un pays. Les ambassades, on en a 160 auprès de pays, on en a 16 auprès d'organisations internationales, donc des ambassades qu'on appelle multilatérales, et on a 87 consulats généraux. Ça a peut-être changé parce que là, on vient de rajouter Mossoul en Irak. Alors, vous remarquez, les quatre réseaux. Jusqu'à il y a une quinzaine d'années, nous étions en deuxième position. Les Chinois ont ouvert à tire-larigot des ambassades et des consulats. Ils ont un consulat à Tahiti. J'ai un copain diplomate chinois qui, il y a 15 ans, a ouvert le consulat général de Chine à Lyon. Je le connaissais bien. On était en poste ensemble à Hong Kong. On était ensemble à Pékin. J'ai vu à Paris. Et il m'avait dit, je dois ouvrir le consulat général de Chine à Lyon. Donc, la Chine décide d'ouvrir beaucoup d'ambassades depuis une quinzaine d'années et de consulats. Et alors, il manque un pays, ici c'est la Russie, mais que remarquez-vous, c'est que ces quatre pays, quelle est leur particularité? Oui. Voilà, ce sont les membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, ce qui veut dire que être membre permanent du Conseil de sécurité, c'est avoir un vrai rôle international, c'est un peu la... aux Nations Unies, tous les pays sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres, ce sont les membres permanents, c'est un héritage de la Deuxième Guerre mondiale, et il se trouve que les quatre pays qui sont là sont les quatre pays membres permanents du Conseil de sécurité. On rajoute la Russie. Et donc, ça veut dire qu'avoir un vrai rôle international, c'est aussi s'appuyer alors, sur des forces armées, sur une puissance économique, sur une puissance politique et diplomatique, mais c'est aussi s'appuyer sur un réseau important et universel. Les Chinois ne s'y sont pas trompés depuis qu'ils ont décidé, il y a une trentaine d'années, de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est passé aussi non seulement par une montée en puissance de l'armée chinoise, mais aussi par une montée en puissance du réseau diplomatique et consulaire chinois, pour des raisons que je vous expliquerai, parce que c'est étroitement lié au travail quotidien des diplomates. Les Chinois ont compris que pour être une grande puissance, il faut avoir un grand réseau. Donc, grand réseau universel, comme je l'ai dit, et qui couvre la Terre entière. Bon. C'est bon. Donc, ce que je vous disais sur le réseau universel, c'est un choix politique. Donc, 160 ambassades, on ajoute deux bureaux de coopération qui ne sont pas des ambassades au sens du droit international, hein, puisque nous n'avons pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord et avec Taïwan, mais nous avons des représentations qui, pour nous, c'est ça, dans notre ministère, c'est comme une ambassade. Hein, la personne qui dirige le bureau de coopération à Taïwan a rendu ambassadeur, et ce sont les mêmes responsabilités. Donc, on a 16 représentations permanentes auprès d'organisations internationales. Ça peut être à l'Union européenne, ça peut être à Genève, ça peut être à Nairobi, ça peut être à Montréal, ça peut être à New York, etc. Et nous avons ce réseau consulaire, donc 89 consulats généraux et consulats et 112 sections consulaires d'ambassade. À Singapour, il n'y a pas de consulat. En revanche, il y a une grosse section consulaire. Il y a 15 000 Français à Singapour. La section consulaire, la personne qui dirige la section consulaire, a le même travail, la même responsabilité qu'un consul qui sera dans un consulat, par exemple, à New York ou à Brasilia. Non, pas à Brasilia, à Rio. Et le consulat, c'est... Alors, les Français de l'étranger, je reviendrai, ils ont une chance, c'est qu'ils ont un bureau unique de l'administration française. Vous, il faut que vous alliez à tel endroit pour faire une bourse, à tel endroit pour faire une carte d'identité, à tel endroit pour renouveler, pour faire un acte de décès.
les Français, ils vont au consulat, guichet unique. Voilà, ils ont ce privilège d'avoir le guichet unique auquel on rêve en France, mais auquel n'ont accès que les Français qui vivent à l'étranger. Alors, nous avons aussi un grand réseau. Le réseau de la France à l'étranger, ce ne sont pas des ambassades et des consulats. C'est aussi un réseau culturel et de coopération. Alors, nous avons 6000 personnes à l'étranger dans des services de coopération. On a 98 instituts français et 363 alliances françaises. Qu'est-ce que c'est, ces instituts, ces alliances? Ce sont des institutions, alors de statut un peu différent. Les instituts français sont directement, mais vraiment directement liés au ministère des Affaires étrangères. Les alliances françaises sont de droit local, donc de droit américain, de droit brésilien, selon l'endroit où elles sont, mais avec un lien quand même, pas hiérarchique, mais fonctionnel au ministère des Affaires étrangères. Et ces instituts et ces alliances font la promotion de la culture française, de la langue française. On a des espaces Campus France sur la promotion de l'université française, et on a des instituts français de recherche à l'étranger. Alors, on est le seul pays au monde à financer des instituts de recherche qui sont co-tutelle, on appelle ça, entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche. Donc, c'est des chercheurs payés par les affaires étrangères, qui travaillent aussi avec des chercheurs souvent du CNRS. Alors, dans tous les domaines, ça peut être l'économie, la politique, l'ethnologie, la sociologie, et on en a à peu près partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Donc, on est le seul pays à avoir ça. C'est un grand instrument de rayonnement. On parle de soft power, j'y reviendrai, mais c'est vraiment un outil très, très utile. Et nous sommes le seul pays aussi à financer les affaires étrangères. Nous finançons des missions de recherche archéologique, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Égypte, que ce soit en Irak. Nous finançons 160 missions archéologiques. Ça aussi, on est le seul pays à le faire. Je reviens à ces épiciers de Bercy, vous m'entendez souvent taper sur le dos des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances, parce qu'ils ont voulu avoir la peau à plusieurs reprises des instituts français de recherche, des alliances françaises, des instituts français, des missions archéologiques, parce qu'ils estimaient que tout ça ne servait à rien. Heureusement, le ministère des Affaires étrangères, la haute hiérarchie et beaucoup de diplomates dont je fais partie se sont battus pour que ce réseau que vous avez là à l'écran continue de vivre, continue d'avoir des moyens et continue de participer au rayonnement de la France et à ce qu'on appelle la diplomatie culturelle, à ce qu'on appelle au soft power. Et puis, on a aussi des écoles à l'étranger. Alors, en fait, il y en a un peu plus. Là. Il y en a presque 500. Nous sommes le seul pays à maintenir un réseau de à peu près 500 écoles. Alors, ces 500 écoles sont de statuts divers. Elles peuvent être 100% privées. Elles peuvent être à financement public et privé, mais en tout cas, une chose est sûre, sur le plan académique, sur le plan scolaire, il y a une tutelle directe avec le ministère français de l'Éducation nationale. Pourquoi? C'est parce que le programme est le même partout dans le monde. Que votre élève, que votre enfant soit à New York, à Pékin ou à Pretoria, le programme qu'il suivra en CM2, en 6e ou en terminale sera le même. Alors que chez les Britanniques, chez les Américains, ça varie d'un État à l'autre. Chez les Allemands, ça varie aussi d'un land à l'autre. Quand on met un enfant dans le réseau scolaire français à l'étranger, on est sûr qu'il y a une continuité des programmes. Et c'est pour ça qu'il y a des étrangers, moi j'avais des collègues chypriotes, pays anglophones, qui mettaient pour ces mêmes raisons, ou italiens, qui mettaient pour ces raisons leurs enfants à l'école française. Et quand ils retournaient à Rome ou à Nicosie, ils mettaient leurs enfants dans l'école française de Rome ou de Nicosie. Justement, grâce à ce continuum. Donc, nous avons, avec ces réseaux, le premier réseau culturel au monde et le premier réseau scolaire au monde. Voilà, on est vraiment dans de la diplomatie d'influence, on est dans du rayonnement culturel, on est dans du soft power. Voilà, on n'en parle pas assez, on pense toujours au réseau des ambassades et des consulats. Il y a aussi ce réseau qui représente à peu près 50%, en gros, à la louche, hein, des effectifs, des moyens budgétaires, des sites, etc. Alors, les affaires étrangères, maintenant, le ministère. Alors, la réputation des affaires étrangères, nous sommes un ministère prestigieux, nous vivons sous les ordres de la République et du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est magnifique, envoyer des réceptions au Quai d'Orsay, c'est un peu comme à l'Élysée, c'est vrai, c'est un beau palais du 18e, 19e siècle. Pourtant,
On n'est pas très nombreux. ETPT, vous connaissez? Parce que c'est ce bruit. ETPT, c'est l'équivalent temps plein. C'est comme ça qu'on compte le nombre de fonctionnaires. Sur l'ordinateur? Ah bon? Bon, ETPT, c'est comme ça qu'on compte les agents de la fonction publique. Deux agents à mi-temps, c'est un ETP. Voilà. Donc nous sommes 13 500 ETP, c'est-à-dire que nous avons 13 500 personnes à plein temps qui travaillent au ministère. Donc ce n'est pas très nombreux, comme je l'ai dit, 6 millions d'agents de l'État en France, que ce soit la fonction publique territoriale ou les ministères. Donc on n'est pas très nombreux. Et des titulaires, c'est-à-dire titulaires, fonctionnaires de carrière des affaires étrangères, nous sommes 4 500, un tiers. Il y a un tiers de contractuels qui sont là que pour un temps, et il y a un tiers d'agents de recrutement local. Un cuisinier, un chauffeur dans une ambassade, il n'est jamais français expatrié, c'est toujours un agent de recrutement local, il fait partie de ces 4 500. Donc un tiers, un tiers, un tiers. Donc très petit ministère, moins, comme je l'ai dit, 0,003% d'agents de l'État. Quand on demandait au ministère de réduire leurs effectifs, naturellement, ce n'était pas les affaires étrangères qui allaient participer à la baisse de la dette de l'État, parce qu'on n'a pas grand-chose à rendre, on est 13 500. Donc, même si quand on dit 10%, ça fait quand même 1350, pour nous, c'est énorme. Et pour vous dire, nous avons perdu 50% de nos effectifs en 25 ans. Moi, depuis que je suis rentré aux affaires étrangères il y a 40 ans, j'ai vu fondre les effectifs avec des missions de plus en plus importantes. Un expert ? Là, si je parle, oui, c'est bien. Bon, ça devrait aller. On n'entend rien. Voilà. J'appelle. Donc voilà, 50% d'effectifs en 25 ans, nous sommes un tout petit ministère qui a diminué, diminué, diminué. Alors, un changement depuis cette année. La semaine dernière, le président de la République est venu au Quai d'Orsay et a estimé que c'est... Bon, il y a eu une grève il y a quelques mois, deuxième fois d'histoire, le Quai d'Orsay a fait grève. Alors ça n'a rien à voir avec l'histoire des retraites, c'est parce que le corps diplomatique n'existe plus depuis le 1er janvier 2023. Il y a une grande réforme de la fonction publique qui consiste à dire qu'on prend tous les hauts fonctionnaires, les inspecteurs des finances, les administrateurs civils, les diplomates, les préfets, on les met dans un gros paquet de 8000 hauts fonctionnaires et ces 8000 fonctionnaires vont aller à droite, à gauche, en préfecture, dans un hôpital. Voilà. Donc on a fait grève parce qu'on disait non, le diplomate c'est un métier, on a besoin de ce métier. Donc grève, protestation, la réforme est quand même passée. Mais en tout cas, on a mis l'accent, on a dit, attention, il n'y a pas que nous d'ailleurs, on a été suivis par des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des ministres, disant, attention, on a besoin de diplomates. Donc du coup, cette baisse depuis 30 ans, depuis 25 ans, s'est arrêtée en 2023, et avec 100 personnes de plus, il y a 700 recrutements de prévus qui ont été annoncés par le président de la République la semaine dernière, pour participer au réarmement diplomatique, j'emploie son expression, pour dire ça suffit, on a besoin d'une diplomatie, on le voit avec ce qui se passe avec la Chine, avec la Russie, on y reviendra, on a besoin de diplomates. Je peux vous dire que nos collègues chinois, russes, naturellement, britanniques aussi, j'en suis sûr, se régalaient de voir que le corps diplomatique français était supprimé. Parce qu'ils disaient, tiens, comme ça, on va avoir des gens qui vont arriver d'une préfecture, qui vont arriver d'un ministère des Affaires sociales, ils vont se retrouver diplomates, ambassadeurs, ils n'y connaîtront rien, on pourra les rouler dans la farine. C'est vraiment l'esprit qu'il y avait derrière. Donc voilà, on a réussi à faire comprendre à haut niveau qu'il fallait des diplomates. Donc le ministère recrute à partir de cette année 800 personnes. Alors je vous le dis, parce que vous êtes étudiants, s'il y en a parmi vous qui veulent rentrer au Quai d'Orsay, c'est le moment. Parce que autant il y a encore un an, je vous aurais dit, tous les ans ça diminue, donc rentrer au ministère des Affaires étrangères, c'est de plus en plus difficile. Je ne dis pas que ça va devenir facile, non, ça va devenir un peu moins difficile, parce que justement, il y a ces recrutements que je qualifie de massifs, parce qu'on n'a jamais vu ça. Voilà.
Donc, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Ça date de la semaine dernière, mardi dernier, une semaine. Alors, un petit comparaison. Dans une mairie, il y a un agent public de mairie municipale pour 40 à 50 habitants. Paris, c'est 53 000 agents, que pour Paris. Lille, c'est 4 500 agents. Ça fait un agent public pour 53. Et Lyon, c'est pas mal. C'est un agent municipal pour 61 habitants. Et bien la fonction publique territoriale, ils sont 1,45 million. C'est à peu près un agent pour 42. Voilà. Nous, comme je l'ai dit, on est 13 500. Je reviendrai, on a 2 millions de Français à l'étranger. On explose complètement les statistiques. Voilà, pour vous montrer. Alors, je ne suis pas dans l'admirabilisme. Je ne suis pas là pour pleurer sur le sort des affaires étrangères, puisqu'au contraire, puisque maintenant, on va avoir plein de recrutements. Mais c'est pour vous expliquer que nous ne sommes pas très nombreux, nous ne l'avons pas été pendant très très longtemps. Et puis, au point de vue budgétaire, on ne représente que 1% du budget d'État. Cette année, c'est 6 milliards, mais il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, c'était 4 milliards. Donc, c'était rien du tout, rien du tout. Voilà, c'est en train de monter, ça participe à ce que le président a appelé le réarmement diplomatique. Voilà, petit ministère, peu connu, dans les médias et tout, mais concrètement, très peu connu. Particularité, 70% de ces 13 500, nous sommes à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères, ça rime avec vie à l'étranger. Alors, que faisons-nous, à part manger des rochers Ferrero? On fait plein de choses. Alors, le rôle du ministère, c'est préparer, conduire et mettre en œuvre la politique étrangère de la France. Alors ça, c'est un décret présidentiel. Bon, si à partir de ça, vous arrivez à savoir ce que font les diplomates, vous êtes fort, parce que c'est quand même assez général. La diplomatie, c'est l'application de la politique étrangère qui est décidée par les politiques, par le gouvernement. Et nous avons quatre missions, en fait, si je les compose. Représenter, négocier, informer et protéger. Voilà nos quatre missions principales, je vais les détailler. Alors, représenter. On se base sur deux textes fondamentaux. Alors, la Convention de Vienne 61-63, je pense que vous connaissez tous, c'est bien court. 61 sur la relation diplomatique, 63 sur la relation consulaire. Et il y a un décret du 1er novembre 1979 qui est pour nous la règle d'or. C'est l'ambassadeur représente le président de la République, le gouvernement et chacun des ministres. Ce qui veut dire que quand nous sommes ambassadeurs, quand je suis ambassadeur, quand je parle à des autorités locales, ce n'est pas moi, un titu personnel qui parle, c'est le président de la République, c'est la France. Voilà. C'est très pompeux, ça peut paraître très pompeux, mais c'est la France qui parle. Quand je parle au nom de la France. Quand je fais quelque chose, ou si je ne le fais pas, si la manière dont je le fais, ce que je dis, ce que je ne dis pas, c'est toujours au nom de la France. On représente la France partout, à tout moment, auprès de tous, de manière permanente. C'est-à-dire que mon travail de représentation de la France ne s'arrête pas à 19h quand je quitte le bureau, et ne s'arrête pas à minuit quand je vais me coucher. C'est H24. Je vous donne quelques exemples. Pendant le printemps arabe, on avait un ambassadeur en Tunisie. On l'appelait Sarko Boy, enfin, son nom, peu importe. Les dents longues, et sachant qu'il avait la présidence de la République derrière lui pour l'appuyer, et il est interviewé par des journalistes tunisiens, et il leur répond de manière assez rude. Voilà, en tout cas, tel qu'un diplomate ne doit pas parler. Commentaire dans la presse tunisienne le lendemain, c'est pas l'ambassadeur de France nous a insultés, non, c'est la France insulte la Tunisie, c'est vraiment ça. Autre exemple d'ambassadeur, Lu Chaillet, qui est l'ambassadeur de Chine à Paris actuellement, qu'on appelle Petit Lu, parce qu'il est tout petit, et il a fait l'ENA, il parle bien français, mais il a un comportement qui n'est absolument pas diplomatique, c'est-à-dire qu'il va traiter des chercheurs français de petites frappes, voilà. Langage, quelque part c'est la Chine qui est arrogante et qui insulte la France. C'est comme ça que c'est considéré. Il y a une quinzaine d'années, il y a eu un tsunami, on a un ambassadeur qui était en Thaïlande, il se trouve que le jour où est arrivé le tsunami, on l'a cherché partout, il n'était pas là, et c'est l'ambassadeur, la France est absente. Voilà, je pourrais vous donner plein d'exemples. Ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, ce que nous disons, la manière dont nous le disons, ou si nous ne le disons pas, c'est la diplomatie, c'est la France qui parle ou qui n'agit pas ou qui insulte, etc. Donc c'est, quand je dis représenter la France, on incarne la France, ça paraît très pompeux, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand je vais faire une démarche, quand je vais rencontrer une autre autorité, je le fais au nom de la France. Je vous assure que c'est quelque chose que j'ai toujours dans la tête. Et on va voir tout le monde, on va voir les syndicats, on va voir l'opposition, quand il y en a une. Donc en Chine, avoir l'opposition, c'est pas évident, mais voilà, il faut aller voir tout le monde. On ne se contente pas d'aller voir les autorités locales. Sinon, on fait mal notre métier.
Et on le fait à tout moment. Donc, responsabilité forte de tout moment. Donc, beaucoup de contacts, parce qu'il faut aller voir tout le monde, comme je le disais. Donc, représenter, c'est ça. C'est incarner la France, même si c'est pompeux. Négocier. Alors, ça, c'est un travail traditionnel des diplomates. Depuis l'Antiquité, on envoyait des émissaires, des ambassadeurs. On ne les appelait pas des diplomates à l'époque. Pour négocier des traités de paix, pour, etc. etc. L'entente cordiale a été négociée par nos ambassadeurs à Londres. Et c'est le même décret du 1er juin, l'ambassadeur négocie au nom de l'État. En bilatéral, on fait pratiquement plus de négociations, tout se fait maintenant entre capitales, avec les différents ministères. En revanche, dans les organisations internationales, négocier, je pense que vous savez ce que c'est, hein, vous êtes étudiant en relations internationales, c'est trouver un terrain d'entente, c'est pas toujours facile. C'est vraiment au cœur du métier traditionnel. On le fait plus tellement en bilatéral, en revanche, dans le multilatéral, dans les organisations intergouvernementales, c'est le quotidien. Et c'est du H24 aux Nations Unies, quand une réunion du Conseil de sécurité, ça se termine à 6h du matin, ça se termine à 6h du matin. Voilà, on le fait, et le moindre mot, en diplomatie, le moindre mot, la moindre virgule, a son importance. Les langues aussi ont leur importance, mais je reviendrai tout à l'heure. Donc, négocier. Informer, alors ça aussi, c'est la mission traditionnelle des diplomates. Alors, on informe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le métier de diplomate, c'est vous arrivez dans un pays et avant d'arriver, vous essayez de comprendre ce pays sous toutes ses formes. Politique, économique, culturelle, sociale, ethnique, religieuse, géographique, militaire, stratégique. Est-ce que c'est une île ? Est-ce qu'il y a des ressources minières ou pas ? Est-ce que le pays est enclavé ? Voilà. Il faut essayer de le comprendre sous toutes ses formes. Donc, il faut se documenter et tout. Et puis, il faut essayer d'avoir de l'empathie. Alors l'empathie, ce n'est pas de la sympathie, monsieur Fix est le même. L'empathie, ça consiste à essayer de se mettre à la place de l'autre, avec une majuscule. Essayer de penser comme lui, pour essayer de mieux le comprendre. Donc ça suppose de le connaître, ça suppose de connaître sa psychologie, de connaître ses travers, de connaître son histoire. Ça suppose aussi de comprendre sa langue si possible, parce que la langue, on sait que ça structure la pensée. Donc l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Je vous donne un exemple. Je donne depuis un an une conférence régulière sur la stratégie de la Chine en mer de Chine méridionale, en essayant de montrer les aspects culturels, psychologiques de la stratégie chinoise et des dirigeants chinois. C'est-à-dire que je n'approuve pas la politique de la Chine dans cette région du monde, mais en revanche, je peux expliquer pourquoi la Chine, pourquoi les dirigeants chinois, pourquoi Xi Jinping, estime que la mer de Chine lui appartient. Voilà, je l'explique. Et ça peut aider à comprendre, justement, dans le cadre de la politique étrangère, à essayer de comprendre et donc de vraiment parer ou mieux défendre nos positions. Donc, et pour ça, il a fallu que je regarde la mentalité chinoise, la culture chinoise, les textes chinois et en chinois pour essayer de comprendre pourquoi les Chinois estiment que la mer de Chine du Sud leur appartient. On pourrait faire la même chose avec Vladimir Poutine. Pourquoi il a envahi l'Ukraine ? Quand vous creusez, vous apercevez que pour lui, l'Ukraine n'existe pas en tant que pays indépendant et que lui, il veut retourner à l'ex-URSS. Donc, dans son esprit, je n'approuve pas, mais on explique. Du coup, il faut prendre en compte cette psychologie dans les négociations, entre autres. Donc, le diplomate, comme je dis, c'est un observateur, tous azimuts. Il faut essayer de comprendre. Mais c'est exactement ce que fait le journaliste. La différence, c'est que le journaliste, lui, il veut s'adresser au plus grand monde. Le journaliste, il veut être lu par le plus grand nombre de lecteurs, vu par le plus grand nombre de téléspectateurs ou d'auditeurs. Nous, quand on écrit une note diplomatique, c'est lu par très peu de personnes, parfois 10 personnes, parfois moins que ça. Voilà. Et puis, on n'est pas dans le scoop, nous. On recoupe l'information. C'est une information qui est objective, qui est réaliste. Et puis surtout, le journaliste, il n'informe, lui, que pour informer. Informer les lecteurs, voilà, il informe. Nous, on informe le gouvernement, la présidence de la République, pour participer à la mise en œuvre de la politique étrangère. Donc, notre information, elle est orientée vers l'action. C'est-à-dire que s'il y a un événement, on ne va pas simplement dire il y a un coup d'État. Non, on va proposer des attitudes à suivre ou pas. Il faut négocier avec un tel ou un tel. Voilà. On est tourné vers l'action. Et donc ça, c'est informer Paris, comme je l'ai dit, on observe le pays, on en tire des,
des conclusions, des analyses, on informe Paris, et on informe aussi dans l'autre sens inverse, on communique, c'est-à-dire que nous, ce que fait la France, ce qu'est la France, et on le fait partout. Pareil, de la même manière qu'on représente la France partout, on explique la France partout. Je vous donne un exemple, en avril 2011, je suis en poste au Pakistan, et tous les ambassadeurs et consuls généraux en poste d'un pays musulman, nous avons eu pour instruction d'expliquer ce qu'était la laïcité à la française, parce que le 1er avril 2011 est entrée en vigueur la loi sur l'interdiction du voile intégral. Et donc les commentaires dans beaucoup de journaux des pays musulmans, mais aussi de certains pays anglo-saxons, le Guardian, pour ne pas le nommer, au Royaume-Uni, estimait que la France était un pays qui discriminait l'islam, qui interdisait le voile, donc ce n'était pas bien. Voilà, donc il a fallu aller expliquer. Et moi, je dois dire que c'est une des choses que j'ai le plus adoré dans mon métier, c'était d'aller expliquer au Pakistan ce qu'était la laïcité. Je l'ai fait dans plusieurs universités. Vous aviez les filles à gauche, les garçons à droite. Les trois quarts des filles étaient justement en voile intégrale. Et j'allais leur expliquer que ben, voilà, pourquoi nous, on ne veut pas le voile intégrale. Eh bien, étonnamment, les questions, on a vraiment fusé après, les questions agressives ne venaient pas de la part des étudiants et des étudiants, venaient de la part des enseignants. Parce que quelque part, il y a des étudiants qui disent « Ah, on ne nous a jamais dit ça ». Actuellement, ça mettait en cause les enseignants qui étaient présents, qui eux avaient des questions agressives. Oui, vous êtes le pays des droits de l'homme, vous interdisez le voile intégral. Voilà, donc, à informer et communiquer. Protéger aussi, c'est le dernier. Protéger les intérêts de la France, les intérêts politiques. Nous sommes des représentants de commerce. Moi, j'accompagnais des délégations d'Airbus ou de Dassault pour vendre des Airbus, vendre des avions, vendre des missiles un peu partout, même dans les derniers postes où j'étais. On en protège les intérêts culturels, on fait la promotion de la langue française, on fait la promotion des universités françaises, de la France, du tourisme. Depuis 10 ans, le tourisme est rattaché au ministère des Affaires étrangères parce que nous sommes finalement les mieux placés pour expliquer à l'étranger pourquoi il faut venir en France, c'est un pays formidable. L'an prochain, on attend plus de 100 millions de visiteurs en France avec les Jeux Olympiques. La diplomatie gastronomique, puisque la semaine prochaine, vous allez avoir une conférence sur le rayonnement international de la gastronomie française. Je vous assure que c'est un sacré outil, la diplomatie gastronomique. Et tous les ambassadeurs, dont moi, on s'efforce toujours d'avoir la meilleure table dans le pays où nous sommes. Il faut absolument que la table de l'ambassade de France soit la meilleure du pays. On y arrive, oui. Et puis on coopère avec le Sud, hein, ça fait partie des priorités de la France. Sans qu'il y ait un francophone, je dis en promotion de la langue française. Protéger les 2 millions de Français qui sont à l'étranger, qui sont établis, qui sont expatriés, qui sont installés, les touristes, les Français de passage, les hommes d'affaires. Le français, c'est incroyable, il voyage, mais alors il est partout. Vous allez au coin le plus perdu du monde, vous avez des Français qui sont touristes. Donc il y a un tremblement de terre, vous êtes sûr qu'il faut aller récupérer des Français, que ce soit au Népal, que ce soit en Turquie, même dans les plus désertiques, vous avez des Français qui se baladent. C'est très bien, je vous le dis, mais c'est parfois une corvée pour nous diplomates. Donc il y a un centre de crise et de soutien qui existe depuis une quinzaine d'années, qui s'occupe justement de toutes ces crises. Pour la Covid, nous avons rapatrié 350 000 Français qui étaient bloqués à l'étranger. Il a fallu organiser des charters, des rapatriements par avion militaire. Il a fallu organiser des convois de camping-cars qui voyageaient de Grèce jusqu'en France, du Maroc jusqu'en France, etc. Et donc, le centre de crise édite aussi la fiche conseil aux voyageurs. Si vous partez à l'étranger, je vous engage à regarder cette fiche conseil aux voyageurs. C'est celle de ce matin. Vous voyez donc Tchad, Nigeria. Il faut absolument vous informer. Toutes les agences de voyage, les compagnies aériennes regardent la fiche conseil aux voyageurs. C'est le deuxième site gouvernemental le plus consulté. Le premier site le plus consulté en France. Site gouvernemental. Vous n'êtes pas concerné, c'est pour ça que vous ne savez pas. Les impôts, voilà, c'est ça. Le site Ariane. Quand vous partez à l'étranger, vous vous enregistrez sur le site Ariane. Je vais au Népal du 1er avril au 15 avril. Voici mon adresse, voici mail, voici mon numéro de téléphone. C'est un tremblement de terre et tout, on peut vous joindre. C'est très important, je vous engage à le faire quand vous partez à l'étranger. Même moi, je le fais. Donc voilà ce que l'on fait. Mais il y a un petit etc. en bas à droite. Hein. On s'occupe de tout. Guerre, ce n'est pas une manière de parler. Hein. Il y a 40 ans à peu près, j'étais au Liban pour la guerre civile. Je dormais à la cave. Mes collègues, depuis un an, en Ukraine, dorment à la cave.
parce que s'ils dorment dans l'immeuble, qu'ils sont dans un missile, ben, c'est pas bon. Donc on dort à la cave. Donc c'est pas une manière de parler, de dire qu'on s'occupe de guerre, on s'en occupe de manière concrète. Francophonie, développement, il y a des choses qui sont nouvelles. La santé, par exemple, moi, il y a 10 ans, je n'avais jamais entendu parler du virus H1N1, grippe aviaire, il a fallu que je me plonge là-dedans. C'est pas mal, ça m'a aidé pour comprendre un peu mieux la Covid. Voilà, on fait de tout, et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt du métier, c'est qu'il n'y a pas de domaine de l'activité humaine où un diplomate n'est pas concerné. Ça n'existe pas. Donc c'est vraiment ce qui est, je trouve, passionnant. Et donc je vais venir à la question suivante. Comme il faut s'occuper de tout, comment on se prépare à s'occuper de tout? Et donc, quelles études il faut faire pour s'occuper de tout? Vous allez voir qu'il y a un lien très étroit. Donc, deuxième question, comment devenir diplomate? Alors, j'ai un collègue là qui est ambassadeur à Genève actuellement, qui a écrit un bouquin, pourquoi la diplomatie, les diplomates, pourquoi faire? Il a fait ça il y a un an. Et il a un terme qui est pas mal, nomades et caméléons. Il dit que nous sommes des nomades et caméléons. Je vais commencer par les caméléons. On fait de tout. C'est un métier qui est marqué par la polyvalence. Donc c'est pour ça que, vous voyez, la polyvalence, c'est la diapo d'avant où je vous dis, on s'occupe de tout, de santé, de guerre. Et donc, au cours de notre carrière, on peut s'occuper d'affaires politiques, multilatérales, on peut être spécialisé géographique. Généralement, il y a 40-50 ans, on avait ce qu'on appelait les lamas, c'était spécialiste de l'Amérique du Sud. On avait les dromadaires, c'était spécialiste du Moyen-Orient. Il y avait les zébus, c'était en Afrique, et en Asie, c'était les pandas. Et voilà, on s'occupe de tout. Et au cours de notre carrière, on peut être amené à exercer plusieurs fois ces fonctions. Moi, j'ai fait à peu près de tout. Alors, pas à temps plein, mais on fait toujours de tout, là. Pour ajouter encadrement, voilà. C'est aussi un aspect fort de ce métier, la polyvalence. Et puis, il y a la mobilité. Donc, tous les 3-4 ans, on change. On va ailleurs. On a le plus fort taux de mobilité de la fonction publique, 33%. Il n'y a que les militaires qui sont comme nous. Voilà. La différence, c'est que nous, le militaire, il part sur son bateau, il part dans son régiment, il part au Tchad. Nous, on part avec nos familles. Et on y est pour 4 ans. Pas le temps d'une mission. Ça demande une grosse capacité d'adaptation. Alors, les études. Parce qu'il faut s'intéresser à tout et connaître un peu de tout, il faut un socle de connaissances indispensable, incontournable. C'est relations internationales, sciences politiques, droit international et langues. Et donc là, je dirais que la meilleure préparation, c'est vous, les écoles de relations internationales, c'est les IEP, parce que dans les universités, on peut faire des études de relations internationales, je vais y revenir, mais ce n'est pas suffisant. Si vous faites des relations internationales sans faire de langue, ça ne sert à rien. Donc, les cursus possibles, ben voilà, il y a de tout. On a oublié de dire, mais on vous laisse la présentation, hein, donc... Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas tout noter. En gros, que vous fassiez des études de langue, d'histoire, de géographie, d'économie ou n'importe quoi, il faut simplement compléter vos études et passer les concours. Voilà. Alors, ça paraît très difficile. Je vous le dis, avec du travail, on y arrive. Alors, quelques points d'attention, parce que, comme je l'ai dit, je suis jury de concours encore cette année-là. Même à 3 semaines de la retraite, ils ont réussi à me mettre président d'un jury de concours au mois de juin. Donc, alors, l'anglais, incontournable, c'est obligatoire l'anglais. Il n'y a pas de j'ai fait de l'allemand en première langue, c'est l'anglais, incontournable. Le niveau requis, C2. C2, c'est le niveau européen. Bon, si vous avez C1, ce n'est pas grave, mais en tout cas, c'est à peu près le niveau des épreuves de langue. Note éliminatoire, si vous avez 9, 9,5, 9,75, vous êtes éliminé, même si vous avez 15 en droit international. Autre langue, affaires étrangères, ça rime avec langue étrangère. Donc, il faut d'autres langues. Jumier le pluriel. Si on n'en parle qu'une, ça peut aller. Généralement, les diplomates, on parle au moins 3 langues étrangères. Bon niveau aussi. Alors, la note de synthèse, ça, c'est l'épreuve reine qu'on fait dans les IEP, qu'on ne fait pas à l'université. La note de synthèse, on vous donne un dossier de 80 pages, il faut en sortir une note, selon un sujet donné, de 5-6 pages. Voilà. Ça, c'est l'épreuve reine, parce qu'elle correspond à une mise en situation, ce que l'on fait dans notre quotidien. Je suis dans une ambassade, j'arrive le matin, toute la journée, je réunis les informations, la presse, mes rencontres, mes lectures, j'en fais une note de synthèse. Donc, c'est une épreuve. Alors, ce qui est bien, c'est que la note de synthèse, elle met tout le monde à égalité. Vous avez fait des études d'histoire, de droit, d'économie, les connaissances, c'est dans la note, c'est dans le dossier. Donc, tout le monde à égalité. Il n'y a pas « je connais plus de choses en droit », c'est dans le dossier. Donc, c'est très bien. Donc, la différence se fait sur la bonne méthode. Le grand oral, ça, c'est comme un entretien d'embauche. Épreuve reine, redoutable, très redoutable.
donne un exemple, parce que j'étais jury concours cette année, le concours de secrétaire d'affaires étrangères, vous avez 1000 candidats. Sur les 1000 candidats, il y en a 500, c'est des touristes. 500, sur les 500 qui restent, si on prend 10, s'il y a 10 places, on va prendre 40 admissibles. Sur les 500 qui ne sont pas touristes, vous voyez, on prend 1450. Donc ces 50-60 qu'on va garder, ils ont tous le même niveau. Qu'ils aient fait des études de droit, d'économie et d'IEP, ils ont tous le même niveau. Qu'est-ce qui va faire la différence? Le grand oral. Et puis les autres épreuves orales. Hein. Mais le grand oral, pendant une demi-heure, on va voir ce que la personnalité, on va tester la personnalité, on va se dire, est-ce que je veux de cette personne comme premier secrétaire? Voilà. C'est une épreuve redoutable et très importante. Je recommande les stages. La responsable du bureau des stages qui est venue à Lyon avec moi, à Sciences Po Lyon, il y a 3-4 mois, me disait qu'elle a besoin d'étudiants qui viennent de Lyon 3, de Lillery. On ne veut pas que des stagiaires de Sciences Po Paris, hein, je vous le dis. Un peu ras-le-bol, là, ils sont tous les mêmes. Donc, on veut des étudiants qui viennent d'ailleurs. VIA, VIE, si vous avez l'occasion, faites ça. Volontaire international. C'est très, très important, très utile. Généralement, pour les VIA, ça débouche sur une embauche. VIE, c'est un peu moins vrai, mais pas mal quand même aussi. Bon, les voies d'accès communes à toute la fonction publique, concours, contrat, recrutement spécifique. Alors, 3 niveaux de concours pour la fonction publique. C'est une classification qui date de 45, 49, je ne sais plus. C'est complètement désuet, soi-disant, catégorie C brevet. Tout le monde est à... ça, c'est une qualification qui date d'une époque où... En 45, c'était 10% de génération qui avait le bac. Donc, du coup, il y avait ce classement hiérarchique des fonctionnaires. Là, maintenant, on est à 90%. Moi, quand j'ai passé le bac il y a 50 ans, on était à 30% de génération. Là, on est à 90%. Donc, ça ne veut plus rien dire, tout ça. Donc, préparez le concours. Voilà les concours d'affaires étrangères. Vous allez sur le site. Les seuls changements, c'est la première ligne. Maintenant, il n'y a plus le concours d'Orient de... Ce que je suis, conseiller des affaires étrangères du cadre d'Orient, section Extrême-Orient, mais on s'est terminé. Maintenant, c'est INSP, Institut National du Service Public, donc qui recrute des administrateurs d'État. Mais on a réussi, nous, à conserver administrateur d'État, concours d'Orient. Donc, des gens qui parlent des langues orientales. Orient allant de l'Afrique au Moyen-Orient, en passant par l'Asie. Alors, exemple de sujet pour ceux qui veulent passer le concours. Ça, c'est les sujets de ces dernières années. C'est assez classique, assez bateau. Hein. Ça peut faire peur, mais je vous assure, ça se prépare. Il n'y a rien d'inabordable. Et quand on fait des relations internationales, on doit être capable de répondre. Sujet de relations internationales, voilà. Ça, c'est vous, c'est ce que vous faites au quotidien. Alors, j'ai une petite préférence pour la dernière ligne, le 21e siècle extrême-orienté, parce que c'est moi qui ai fait le sujet du dernier concours de secrétaire des affaires étrangères. Et donc, il a été accepté par le président du jury, donc la présidente du jury, donc je suis très content. Voilà, c'était un sujet sur les océans. J'étais, entre guillemets, visionnaire, puisque aux Nations Unies est passé il y a quelques semaines, quelques jours, un texte sur les océans, surtout, pas les côtes, mais les océans, la pleine mer. Anglais, comme je l'ai dit, voilà le style d'épreuve qu'on a en anglais, des dissertations. Bon, recrutement sur dossier, c'est pareil, là, ça va, profitez-en, 700 postes, il n'y aura pas 700 postes au concours, il y aura peut-être 100 postes au concours et 600 postes de contractuels. Hein, donc, vous y allez. Et surtout, je vous le dis, vous ne vous limitez pas. Les affaires étrangères, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile. Non, vous ne vous limitez pas, vous y allez. Ça ne marche pas, vous recommencez. Vous essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Vous recommencez. L'échec n'est pas honteux. Il y a une vertu de l'échec, c'est de mieux se comprendre. Donc, on recommence. Voilà, volontaire intention, j'en ai parlé. Stage VI, j'en ai parlé. C'est bon. Les stages, vous regardez sur le site du ministère. Bon, là, ça, c'est pour la fonction publique, il y a des recrutements spécifiques. Il ne faut pas négliger la diplomatie culturelle. Plus de 50% de nos recrutements annuels, ce sont des contractuels dans la direction générale de la mondialisation, dans la coopération, dans les affaires culturelles, dans les agences françaises, dans les écoles françaises. Donc, vous n'hésitez pas si vous voulez vraiment travailler à l'étranger. Et si vous voulez travailler à l'étranger, ben, il n'y a pas que les affaires étrangères, il y a les armées, l'économie, la recherche. Et puis, il y a aussi les organisations internationales. À part que là, la diapo d'avant, vous êtes en concurrence avec des Français. Là, vous êtes en concurrence avec des étrangers. L'Union européenne, vous êtes en concurrence avec les 26 autres pays de l'Union européenne. L'ONU, ben, la terre entière.
l'OCDE un peu moins, le FMI la terre entière, la Banque mondiale la terre entière. Donc, il y a de la concurrence pour rentrer dans des organisations internationales. Les stages, forte demande, mais c'est faisable. Et je vous le dis, on souhaiterait avoir plus d'étudiants de province. Je vous recommande l'Académie diplomatique d'été, c'est tout neuf, ça a 2 ans. C'est pendant une semaine, vous êtes au Quai d'Orsay et vous êtes mis en situation de diplomate. Voilà. Vous vous inscrivez, vous allez sur le site, vous allez voir. Je vous engage à faire ça. Voilà, diplomatie, je vous donnerai l'adresse à la fin. Voilà, rapidement, est-ce que j'aurai des questions? Ouais, c'est bon, j'en ai le temps. Alors moi, donc, je termine dans 3 mois. Donc j'aurai en fait 41 ans de vie diplomatique. J'ai pas mis à jour. Alors moi, je voulais... Il y a 15 ans, je suis allé à Sciences Po Paris. On m'a demandé d'aller, le ministère m'a dit, tu vas te présenter devant, tu vas présenter à peu près ça, devant le cursus, c'était préparation des concours du Quai d'Orsay. Voilà, que j'avais fait il y a 40 ans. Voilà, expliquer aux étudiants la vie diplomatique et tout. Et je suis arrivé, j'ai commencé à dire ce que je vais vous dire maintenant. Ben moi, je ne voulais pas être diplomate, je ne voulais pas être ambassadeur. Ça ne m'intéressait pas. J'avais senti un flottement à l'époque. Parce que les étudiants disaient, qu'est-ce que c'est que ce zozo qu'on nous envoie, qui, nous, on rêve que de ça, on crève d'envie de devenir diplomate, on nous envoie quelqu'un qui ne voulait pas être diplomate. Alors j'explique, j'avais expliqué. Moi, j'ai une vocation tardive. Mon rêve d'enfant, ce n'était pas d'être diplomate, je ne sais même pas ce que c'était, ce n'était pas d'être ambassadeur, je ne sais pas ce que c'était, c'était d'être marin, d'être officier de marine. Donc j'ai tout fait pour, et j'ai fait les études pour, j'ai fait un bac scientifique, j'ai passé maths sup, maths spé, les concours, parce que ce que je voulais, mon projet de vie, c'était voyager sur mer au service de l'État. Voilà. J'aime la mer. J'aime le service de l'État, je vous l'ai dit, j'ai 46 ans de service de l'État. Travailler pour une boîte privée, pour moi, c'est impossible, je n'ai pas envie. Et puis, j'ai envie de voyager parce que, pour différentes raisons, personnelles, entre autres, je viens de l'autre bout du monde, je ne suis pas gaulois, comme vous voyez, ma mère est cambodgienne, donc j'ai une envie de retourner en Asie. Et donc, je voulais voyager sur le service de l'État. Mais malheureusement, j'ai eu les changements de normes dans la marine nationale. Du jour au lendemain, je suis devenu inapte et donc je ne pouvais plus rester à bord d'un bateau. On m'a dit, tu peux être à terre. Non, non, moi, je ne veux pas être à terre, je vais être sur un bateau. Ce n'est plus possible, je m'en vais. Et je suis allé me documenter comment voyager au service de l'État, puisque je ne peux plus voyager sur mer. Donc on enlève le sur mer. Et il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Je suis allé dans un service de documentation de la jeunesse, et IDJ, au NICEP. Puis à l'époque, il y avait des grands classeurs, il n'y avait pas d'Internet. Et puis j'ai découvert ça. Affaires étrangères, on peut voyager au service de l'État. Vous êtes diplomate, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous êtes ambassadeur, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous êtes consul général, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous pouvez devenir conseiller des affaires étrangères, cadre d'orient, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne comprends rien du tout ce qu'il racontait. En tout cas, je me suis dit que ça a l'air pas mal pour devenir fonctionnaire au service de l'État et voyager. Donc, je me suis orienté. J'ai quitté mon plan A par la force, qui était voyager, être marin, et je suis allé vers un plan B. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il faut absolument, vous êtes jeune, si vous savez ce que vous voulez faire, tant mieux, mais il faut avoir un plan B au cas où. Parce que si votre plan A ne marche pas, parce que vous plantez un concours, parce que vous devenez inapte, il faut avoir un plan B. Moi, je connais des gens qui, toute leur vie, ont regretté d'avoir raté médecine. Bah oui, ça arrive de rater médecine, c'est du 1 sur 10, ça arrive. Mais ça ne fait rien, il faut rebondir. On peut faire d'autres choses que médecine, on peut être kiné, on peut être infirmier, on peut être... Voilà, il faut absolument avoir un plan B. Donc, c'est ce que je vous dis, ne vous limitez pas. Si vous avez un objectif, vous y allez, vous foncez. Si ça ne marche pas, vous recommencez. Si ça ne marche pas, bah, ayez un plan B. Il faut avoir une capacité d'adaptation. Moi, du coup, j'étais formé scientifique, maths sup, j'avais fait des mathématiques, j'étais expert en électronique, en radar, et il a fallu changer. Parce que les concours du Quai d'Orsay, ce n'est pas un concours où on vous demande de résoudre une équation à 6 degrés. Donc, du coup, que faire? Donc, je suis retourné à l'université tout en bossant. Donc, j'ai fait plein de métiers. Du style laveur de carreaux, balayeur, j'ai fait des sondages, j'ai donné des cours, j'ai été serveur. Et en même temps, j'ai fait des études. Donc moi, je suis un produit de l'université française, j'en suis très fier. Je suis un des rares diplomates français qui n'a pas fait d'IEP. Voilà, donc, je le dis, moi, je suis un produit de l'université française. Donc j'ai fait économie internationale à Dauphine, j'ai fait relations internationales à Paris 1, et j'ai fait l'INALCO, c'est à Langzhou, en chinois, cambodgien, j'ai aussi fait du japonais, mais je n'ai pas passé mes UV. Donc, vous voyez, relations internationales, économie internationale, langue étrangère, il y a une cohérence. Bon, après, il y a 20 ans, j'ai fait un institut pour me spécialiser dans les affaires militaires. Voilà, donc je suis rentré au Quai d'Orsay et mon premier. Alors, j'ai d'abord été, donc, comme ça a été dit au départ, à New York, 12 ans, 2 fois 6 ans.
où là j'étais dans la diplomatie multilatérale, j'étais un des premiers diplomates à s'occuper de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies d'information et de communication, qu'on appelait les autoroutes de l'information, ça veut dire le web, Internet, le numérique. Je travaillais à l'ECOSOC, c'est un organe des Nations Unies, Internet, je l'ai dit. Et donc j'ai terminé fin 2001. Donc j'étais à New York le 11 septembre 2001, vous n'étiez pas né, mais c'était un grand moment de ma vie professionnelle. Et après, je suis passé 5 ans, pour ça que je connais bien les histoires de recrutement, de concours. C'est là qu'on m'a commencé à me demander de participer au jury. Donc j'étais aux ressources humaines, à la DRH, où j'occupais de questions statutaires. Transparence, c'est le document qui chaque année nous permet de choisir le poste pour l'année suivante. Et puis, alors je voulais absolument aller en Chine parce que j'avais une licence de chinois et j'étais à New York. Même si j'avais pratiqué le chinois à New York, ça ne suffisait pas. Donc, j'ai voulu aller partir en Chine. Et alors, je voulais partir consul général en Chine, dans une ville que personne ne connaissait, mais c'est justement tant mieux, ça m'intéressait. Une ville située au centre de la Chine, au bord du fleuve Yangtze-Kiang, où Peugeot et Citroën construisaient des grandes usines. Et alors, personne n'avait entendu parler de cette ville. Malheureusement, il n'y avait pas de collège et de lycée. Et mon petit dernier est rentré au lycée. Donc moi, je ne voulais pas partir en poste sans mon petit dernier. Donc, j'ai dit non. Et donc, je n'ai pas eu ce poste de consul général. J'ai renoncé dans une ville que personne ne connaissait à l'époque et que maintenant que tout le monde connaît, c'est la ville de Wuhan. Voilà. Et donc, du coup, je suis parti à Hong Kong. J'étais consul général adjoint. Donc, je dis à cause de la scolarité. Donc là, je me suis occupé de questions politiques. Je reviens à cette palette de métiers que l'on a. Je me suis occupé de questions politiques, d'éducation, parce qu'il y a le premier lycée, d'affaires culturelles. C'est le plus grand festival culturel de français en Asie. De diplomatie économique, 700 entreprises. Maintenant, il y en a plus de 1000. Questions sanitaires aussi. Voilà. Et donc ça a été passionnant. Donc, j'ai pu parler chinois. Et après, ben là, j'ai pu partir comme consul général, pas à Wuhan, parce que le poste n'était plus disponible, mais au Pakistan, ou alors affaires politiques, dans un contexte de guerre en Afghanistan, hein, donc questions de sécurité, questions religieuses. Je me suis beaucoup intéressé aux questions religieuses, je suis allé voir les minorités ethniques, je suis allé voir les hindous, je suis allé voir les catholiques, les protestants, dans des endroits pas possibles. Et c'était passionnant. J'ai travaillé avec des scientifiques, avec des archéologues, avec les missions archéologiques que j'ai citées. Il y avait une alliance française, la plus grande du Pakistan, et j'ai fait de la diplomatie économique parce que le Karachi est la capitale économique. Donc, vous voyez, du culturel, de l'économique, de la sécurité, du politique, toujours cette palette. Et puis, comme j'étais 4 ans au Pakistan, dans des conditions un peu difficiles, même très difficiles, on est venu me chercher pour me dire, tu deviens directeur de sécurité. Donc, j'étais directeur, c'est le sommet pour un fonctionnaire d'être directeur d'une mission centrale. Et donc, nous avons, donc, je vous l'ai dit, 200 ambassades et consulats. Il faut les protéger, sous dans un contexte sécuritaire qui se dégrade, surtout depuis une dizaine d'années, depuis les attentats de 2015. Donc, on protège ces ambassades, on fait des travaux de sécurité, et ils sont protégés par plusieurs centaines, 600, 700 policiers et gendarmes, dont des membres du GIGN, police et du RAID. Voilà, dans un contexte assez difficile, il y avait des dossiers RH. J'ai participé, j'ai même piloté pour les affaires étrangères la fermeture de l'ambassade de France en Libye, en juillet 2014, avec la marine, avec le GIGN, avec le commando marine, avec les Américains. Voilà, c'était un travail passionnant. Et puis après, donc du coup, on m'a dit, tu vas être ambassadeur, justement, avec ton expérience, tes compétences et tout, ce serait bien que tu ailles Burkina Faso, en Tanzanie, enfin dans la zone Sahel. Je dis non, moi, mon dada, c'est l'Asie, je vais aller en Asie. Alors, c'était un peu inconscient de ma part parce que le plan ne repasse pas deux fois, mais enfin, il est repassé. Et donc, je suis parti ambassadeur de France au Brunei, où je m'occupais de questions politiques, toujours pareil, religieuses. Voilà, toujours cette diversité, cette richesse de la palette économique, ça a été passionnant. Et vous aurez avec vous l'an prochain 2 enseignants qui sont là, qui étaient avec moi au Brunei, à l'Alliance française et en université. Donc, qui confirmeront que c'est des zones pas connues, mais passionnantes. Voilà, et donc bilan. Alors, ma soif de voyage que j'avais, satisfaite. Donc, voyage au service de la France, satisfait. Je coche. Alors, je n'ai pas exercé un métier, j'ai exercé des métiers, j'essaie de vous le montrer. Richesse et variété des expériences, j'essaie de vous le montrer aussi. Alors, la capacité d'adaptation, ça c'est important. Hein. C'est parce qu'un jour, vous êtes en poste à Hong Kong ou à New York, c'est pas être en poste à Karachi, c'est pas aller, comme je l'ai fait, 5-6 fois en Afghanistan avant la fermeture, ou c'est pas aller en Libye pour fermer l'ambassade. Voilà, capacité d'adaptation pour nous et pour nos familles. Et puis, moi, ma soif de découvrir d'autres mondes, leur histoire, c'était satisfait aussi. Et donc, si je conclue,
J'ai exercé un métier de rêve, voilà, je le dis, hein, y a peu de métiers en France que je connaisse. Mais mes collègues, j'ai beaucoup de collègues diplomates canadiens, américains, ils pensent la même chose. Ben voilà, et si vous avez des questions. Alors peut-être une dernière, si vous voulez vous documenter, donc le site du ministère, vous avez tout, c'est une richesse incroyable. Si vous voulez vous exercer sans anglais, sans chinois, sans espagnol, sans arabe. Il y a deux livres qui résument toutes les missions des affaires étrangères. Vous avez celui-là, Maurice Vaïs, c'est un grand historien français. Et un livre à droite, alors c'est un livre un peu différent, c'est une cinquantaine de ce qu'on appelle un télégramme, un rapport diplomatique sur l'histoire depuis 1945, vu par les diplomates en 60, en 70, en 75, avec une mise en contexte. Ça vous donne une idée de ce que font les diplomates. Donc je reviens à la dernière ligne. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, Pablo Côté en bachelor 1. J'aimerais savoir quelle est la marge de manœuvre d'un diplomate. Vous nous avez parlé que tout au long de vos missions, vous étiez lié à l'État, vous devez représenter l'État en toutes circonstances. J'aimerais savoir à quel moment est-ce que l'analyse personnelle et en fonction de vos expériences entre en compte lorsque vous êtes en mission. Oui, c'est une bonne question, effectivement. On a une marge de manœuvre quand même. Alors, elle est limitée parce qu'on a des instructions et tout. Notre rôle, quand je l'ai dit, c'est d'informer pour l'action. Et donc, sur un sujet donné, ça nous est dit, hein, mais moi, je le réfléchis sans qu'on me le dise, hein, on doit donner notre point de vue. C'est très très important. Parce que justement, ce que l'on attend de nous, c'est notre connaissance du terrain. Comme je dis, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe. Il y a cette empathie dont j'ai parlé, il y a cette expérience. On voit des choses qu'on ne voit pas à Paris. À Paris, ils sont informés par qui ? Ils sont informés par les agences de presse, voilà. Nous, on voit des choses différentes. Et donc, on va donner notre avis. Et parfois, ce que l'on va dire est différent de la perception qu'avaient nos autorités parce qu'elles n'avaient pas les informations qu'on leur a données. Voilà. C'est vraiment très, très important. Donc, on a une certaine marge de manœuvre. Après, je vous mentirais si je vous dis qu'elle n'a pas de limite. Non, elle a des limites. Il y a un exemple connu là, lors de l'affaire du Mali, il y a une dizaine d'années. On a un collègue qui a donné son avis. Il estimait qu'il ne fallait pas discuter avec telle ou telle partie. Bon, ça a été brutal pour lui. Il a été dégagé. Hein. Bon, voilà. Je trouve ça brutal, mais bon, c'était à cause du ministre de l'époque, Bernard Kouchner, pour ne pas le nommer. Mais bon, voilà, c'était quelqu'un qui était pour moi un très mauvais ministre. Je m'en fous, je suis à la retraite dans 3 mois, donc je ne peux pas lancer, donc, franchement. Et voilà. Mais il y a un autre exemple que je vais vous donner, un diplomate que je connais bien. Donc, il est il y a 30 ans au Rwanda. Il est au Rwanda. Non, il n'est pas au Rwanda. Il connaît bien le Rwanda, il est en poste à Paris. Et dans l'affaire rwandaise, maintenant c'est connu, il y a un rapport officiel qui a été demandé par le président Macron et qui est sorti. C'est la cellule diplomatique de l'Élysée, c'est à cause de la cellule diplomatique de l'Élysée que la France a pris telle et telle position. Et ce diplomate qui était au Quai d'Orsay, qui était jeune diplomate spécialiste de l'Afrique, avait dit non, il ne faut pas parce qu'on est en train d'aider des futurs assassins, même des génocidaires, on ne savait pas à l'époque. Il a dit non. Il a été dégagé. Et bien on s'aperçoit au fil des décennies qu'il avait raison. Il avait raison. Et sa carrière en a pâti hein, dans les années 90 et 2000. Bon, heureusement, c'est quelqu'un qui est bon et tout. Eh bien, la bonne chose, c'est qu'on n'a pas eu d'ambassadeur depuis 30 ans. Depuis 2 ans, on a un nouvel ambassadeur. Il fallait un nouvel ambassadeur parce qu'on a repris les relations diplomatiques avec le Rwanda, avec le président Kagame. Et on a nommé comme ambassadeur ce diplomate qui, il y a 30 ans, avait donné son opinion, s'est fait taper dessus. Mais il se trouve qu'il avait raison. Voilà. Donc, vous voyez, c'est à nous d'essayer de voir notre marge de manœuvre. Parfois, ce n'est pas facile. Voilà. Mais il faut pas. On reproche parfois aux diplomates un peu le syndrome de Stockholm, d'être toujours en faveur des autorités du pays où ils sont. J'assure, c'est faux. On a reproché à l'ambassadeur en Tunisie de dire de ne pas avoir averti et tout. Et d'abord, personne n'avait vu venir le printemps arabe. Lui, il avait dit attention, il y a des manifestations sociales, ça risque de déboucher sur. Le problème, c'est qu'il n'a pas été écouté. Il y a eu une fuite de son rapport dans la presse. On a enlevé la dernière partie
où on l'a enlevé la partie où il disait, où il donnait son avis, attention, danger et tout. Et donc, on l'a accusé de ne pas avoir vu, de ne pas avoir donné son avis. C'est faux. Si les historiens, moi je travaille beaucoup, là, j'écris pas mal d'articles. Tous les deux livres que je vous ai montrés, j'ai participé à ces deux livres, parce que j'aime l'histoire, j'aime l'histoire diplomatique. C'est très intéressant de voir ce que pensent les diplomates. Le deuxième livre, justement, que pensent les diplomates de la chute de Berlin, le jour de la chute de Berlin, le jour du 11 septembre, l'ambassadeur de France le 11 septembre 2001, il fait un télégramme, il donne son avis. Moi, je vous garantis que si on regarde ce que j'ai pondu au Pakistan et au Brunei sur les Chinois, on ne m'accusera pas dans 10 ans, dans 50 ans, les chercheurs, d'avoir été en faveur des Chinois. Je vous garantis, parce que qu'est-ce que je leur balance quand j'étais à Hong Kong, je leur dis attention. En 2010, j'ai écrit un télégramme, j'ai dit attention, le responsable à Pékin, le nouveau responsable en 2010 des zones spéciales, d'administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, c'est un type du Parti communiste chinois, c'est une étoile montante, c'est un gars qui, ça va être dur. Il s'appelait Xi Jinping, hein, c'est pour vous donner une idée. Je l'ai dit, je donnais mon avis. On aurait pu me dire, mais occupe-toi de toi, tu es Hong Kong, c'est nous à Pékin. Voilà. On a une marge de manœuvre, elle n'est pas illimitée, hein, clairement. Normal, on est fonctionnaire, on a un devoir de réserve, on a un devoir de neutralité. Mais... Voilà. Oui. Bonsoir, Gabriel Picard, en deuxième année. Merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une question. Il y a presque un an, donc il y a eu la suppression du corps diplomatique. Non, 1er janvier. 1er janvier 2023. D'accord. Ouais, ça a été acté alors il y a presque un an. Le 1er janvier 2022, c'est les préfets. D'accord, ok. Bon, bah, c'était en janvier. On savait que notre tour allait venir. De toute façon. Est-ce que vous avez eu des retours vis-à-vis de ça ou est-ce que avez vu une différence par rapport au monde d'avant où il y avait encore un corps professionnel. Les retours, d'abord tout le monde était contre, hein, pratiquement, c'est normal. J'ai la faiblesse de croire que le diplomate, c'est un métier. Là, si vous voulez, l'esprit de la réforme, c'est on a 8000 hauts fonctionnaires, ils sont tous interchangeables. 3 ans dans une ambassade, ensuite 3 ans dans une préfecture, ensuite 3 ans directeur d'hôpital, ensuite 3 ans au ministère des Affaires sociales. Bon, tout ça, tous ces gens-là, c'est des petits poids qu'on peut mettre à droite, à gauche et tout. Non, mais diplomate, c'est un métier. D'abord, il faut parler dans l'étrangère. Ensuite, il faut avoir une certaine tournure d'esprit, la mobilité. Quand je dis qu'on a le plus haut taux de mobilité, ce n'est pas tout le monde qui est capable de partir tous les 3-4 ans, à part les préfets, les militaires, partir avec tout le monde, avec famille et bagages. Voilà. Et puis, dans des conditions pas faciles. Moi, quand je vais au Pakistan, il n'y avait pas d'eau courante. Même se laver les dents, il fallait faire avec des bouteilles d'eau parce qu'il y a des conditions d'hygiène épouvantables. J'ai vu les plus graves. La tourista, c'est rien du tout à côté de ce que j'ai vu au Pakistan. J'ai vu des gens quasi mourir. J'ai dû évacuer un des policiers de mon escorte parce qu'il a simplement bu une bouteille de coca. Il a mis sur dialyse dans les jours qui suivaient. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des crottes de rats qui sur la bouteille de coca. Il faut être prêt à travailler là-dedans. Mes collègues qui sont en Ukraine depuis un an, ils dorment, comme j'ai dit, ils dorment à la cave. Donc, ce n'est pas donné à tout fonctionnaire. Donc, pour dire, on est contre. On estime que c'est un métier. Donc, les assurances qu'on a eues, c'est que oui, mais bon, il n'y a que le concours d'administrateur de l'État qui change. Tous les autres concours vont être maintenus. Pour l'instant, c'est vrai. Voilà, pour l'instant, c'est vrai. Après, on nous dit, vous inquiétez pas, si vous êtes de ce concours-là, des concours du Quai d'Orsay, vous pourrez faire quand même, si vous le souhaitez, toute votre carrière aux affaires étrangères, ce que nous souhaitons. Le problème, c'est que notre recul, il est de, au mois de mars, il est de 2 mois et demi. Donc, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. D'après ce que nous a dit le président de la République il y a une semaine, quand il est venu au Quai d'Orsay, bon alors, c'est un politique, hein, donc il sait parler, il parle bien, il nous expliquait qu'on a besoin de vous, enfin, on supprime votre corps, mais en même temps on a besoin de vous, enfin bon, c'est un truc classique des politiques, je pense qu'il est convaincu, et en tout cas, il y a, dans la haute hiérarchie gouvernementale, il y a des gens qui ont été convaincus, et aussi les députés et les sénateurs qui sont montés au créneau. On a besoin de diplomates, c'est-à-dire pas de hauts fonctionnaires interchangeables. On a besoin de hauts fonctionnaires qui sont des spécialistes. Moi, je ne peux pas être préfet du jour au lendemain. Ça m'aurait intéressé d'être préfet. Mais moi, l'organisation de l'exécutif en département, je ne connais pas. Il me faudrait un certain temps d'adaptation, peut-être 6 mois. Mais on le fait, on a des diplomates qui sont préfets. Mais il me faut un temps d'adaptation. En revanche, comme diplomate, avec mon expérience, vous me nommez n'importe où, en Amérique du Sud, n'importe où. Je sais que je vais devenir opérationnel assez vite parce que j'ai plein de codes, j'ai plein de réflexes. Voilà. Donc on est contre, c'est passé, donc on fait avec. Et ben après, j'espère que mes collègues auront
l'opportunité d'avoir des carrières comme j'en ai eu une. Quoi. Voilà. Mais que cela ne vous arrête pas, il y aura toujours besoin de diplomates, j'en suis convaincu. Alors après, quel soit quel statut, que comme le dit le président, c'est pas le statut qui fait la fonction, c'est vrai. Voilà. Moi, ce que j'ai dit à des étudiants à Sciences Po, là, à l'INALCO, il y a deux semaines, je leur ai dit, il y en avait qui présentaient les concours d'Orient, qui est un des concours les plus sélectifs de la fonction publique, qui parle chinois ou japonais, je dis non mais allez-y, et effectivement ce concours est maintenu, donc ils vont continuer, et ils ont envie, ils ont envie de travailler aux affaires étrangères, d'être diplomate, d'être en Asie, ils arriveront, je suis sûr. Voilà. C'est bon, question. Bonsoir, oui. Merlin Ruiz en deuxième année, merci beaucoup pour votre conférence. Est-ce que je peux savoir ce que c'est la relation entre l'ambassadeur et les différents consuls dans le même pays? Ouais. Alors, c'est un lien hiérarchique, c'est-à-dire que c'est un peu comme le préfet. Un bon exemple, une bonne comparaison, c'est le préfet et les sous-préfets. Voilà. Le préfet et les sous-préfets, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est qu'ils font à peu près le même métier, qui est donc représenter, coordonner les différents ministères au sein d'un département. La différence est que l'ambassadeur, lui, il est vraiment celui qui a le rôle de représentant de la France. Le consul est le représentant, mais il a une mission qui est plus limitée, qui est limitée aux affaires consulaires. C'est pour ça qu'il y a deux conventions de Vienne, celle de 61 sur relations diplomatiques, où on définit le travail de l'ambassadeur, le travail des diplomates, et celle de 63 sur les métiers consulaires. Donc, mais il y a un lien hiérarchique. Hein. Voilà. Mais la bonne comparaison, c'est ça, c'est préfet et sous-préfet. Oui. Bonjour, Irine Baudin en deuxième année. Merci beaucoup pour votre conférence. Je voulais savoir sur vos 40 ans, 41 ans de carrière, si ce n'est pas indiscret, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de tous ces métiers? Alors, c'est une question que j'ai souvent. Alors, généralement, on me demande quel est le pays que vous avez préféré, l'affectation que vous avez préféré, le voyage que vous avez préféré. Et ma réponse, je n'ai pas de réponse, en fait. Alors, ce n'est pas une réponse de Normand, hein, mais c'est parce que, en fait, chaque affectation, chaque moment correspond aussi à un moment de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle. Je suis au Liban en 85, en pleine guerre civile. On a des diplomates français qui sont pris en otage. Il y a eu des morts à l'ambassade et tout. J'ai pas d'enfant, c'est pas grave. Quelques années avant, j'étais dans l'armée, ça me plaît. Je me suis dit, une fois que j'ai eu des enfants, je vais plus dans ce genre de pays. C'est quand j'ai des enfants. Donc, aux États-Unis, mes enfants naissent aux États-Unis, c'est encore une autre période, c'est formidable. Pour des enfants, en plus, d'être aux États-Unis, c'est vraiment très chouette. Et pareil, après, je pars en Chine, comme je vous l'ai expliqué, j'avais qu'un seul enfant, mais si j'étais en Chine, j'étais content. Et puis après, mon enfant repart en France. Je me dis, allez, maintenant, c'est le moment de revivre un peu ce que j'ai vécu au Liban. Et là, je pars au Pakistan. Alors, je pouvais aller en Afghanistan, en Irak, et puis non, c'était le Pakistan. Et parce que j'avais envie de retrouver cet intérêt du métier. C'était passionnant. Et donc, après, je me suis retrouvé à Paris dans un moment très difficile. Enfin, j'ai eu à gérer les attentats de 2015 à Paris. Il faut savoir qu'il y a eu des choses à l'étranger. Certaines choses dont je ne peux pas vous parler, mais c'était aussi passionnant. Et puis, en fin de carrière, je voulais une ambassade en Asie absolument. Et cette ambassade, c'était... Alors, je connaissais bien l'Asie du Sud-Est continental, Thaïlande, Cambodge, Vietnam. Je connaissais bien la Chine. Mais je ne connaissais pas du tout l'Asie du Sud-Est insulaire, c'est-à-dire le monde malais. Et donc, je me suis dit, voilà. Et donc, à chaque fois, il y a eu quelque chose de différent. Donc, je n'ai pas d'affectation préférée. Et puis, sur les moments forts... Voilà la liste, j'en ai pour des heures. Mais pour vous donner une illustration de l'amplitude des expériences qu'on peut vivre. À Hong Kong, à 4 reprises, j'ai organisé des dîners pour des Français prix Nobel de passage. Alors, il y avait un prix Nobel de littérature, je trouve que c'est un Français d'origine chinoise, il y avait un prix Nobel de chimie, un prix Nobel de physique. Et c'est organiser leur dîner, puis leur séjour, ils donnent des conférences d'université, ils rencontrent des sommités. Enfin, c'était vraiment passionnant. Voilà, ça, il y a peu de métiers qui vous permettent de rencontrer, de discuter, d'accueillir, d'organiser pour eux des activités, des prix Nobel. Voilà. Et ensuite, au Pakistan, 2010, ma première année au Pakistan, je reprends le chiffre 4, parce que ma première année au Pakistan, j'ai été 4 fois témoin auditif ou visuel d'attentats suicides. Vous voyez l'amplitude
d'expérience. Il y a peu de métiers qui vous permettent d'avoir des expériences aussi fortes. Maintenant, quelle est mon expérience la plus forte de 41 ans de vie diplomatique? Je crois que je l'ai mentionné rapidement. Le 11 septembre 2001, je suis à New York. Notre ambassade est au 44e étage d'un grand immeuble à Manhattan. Et j'arrive, j'ai appris qu'il y avait des attentats, j'arrive à l'ambassade à 9h10. Tout le monde est réuni, le nez collé contre la fenêtre du bureau d'ambassadeur, à regarder au sud de Manhattan l'attentat. Et j'arrive et je vois la tour qui brûle. Je dis, tiens, mais il manque une tour. On me dit, elle vient de s'écrouler. Et donc, je prends un appareil photo, je tape, parce qu'il n'y a pas de téléphone à l'époque. Je prends une photo, je n'ai plus de pellicule, je range ma photo. Boum, la deuxième tour s'écroule devant moi. Et là, je peux vous dire que tous, on s'est dit, de l'ambassadeur jusqu'au... Enfin, tout ce côté-là, on était, je ne sais pas combien de dizaines, on s'est dit, là, on vit quelque chose d'historique. Et ça, ça a été vraiment très, très... On savait qu'on vivait un moment historique. Et il y a des milliards de gens qui ont vu ça à la télévision. Mais nous, on était sur place. Voilà. Et ça, c'est aussi une force du... Voilà. C'est un concours de circonstances. J'ai vécu ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un métier qui donne qui permet de vivre des expériences exceptionnelles. J'ai répondu ? Merci. Bonsoir monsieur, d'abord merci pour cette conférence. Baptiste Servoni en première année de bachelor. Vous parliez sur les matières par rapport au concours de l'importance du droit et bien sûr des langues. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était des matières en rapport avec l'économie. Merci. Oui, non, mais en fait, je vais revenir sur toutes les matières sont importantes dans l'économie. J'irai presque surtout l'économie, je vous explique pourquoi. On a un ministre qui s'appelle Laurent Fabius. Je ne sais pas, il avait une lubie. Il voulait absolument qu'on fasse la diplomatie économique, comme si on n'avait jamais fait. On avait toujours fait, les diplomates ont toujours fait de la diplomatie économique. J'ai écrit des bouquins, des articles sur les consuls généraux à Hong Kong. J'ai un article, j'ai retrouvé un télégramme de notre consul général à Hong Kong. En 1902, il faisait la promotion des vins de Bordeaux. Donc il faisait une note. Et en 1910 ou 15, il faisait la promotion des avions, des aéroplanes français. Donc on a toujours fait ça. Et donc pourquoi je dis ça? C'est parce que le ministre Laurent Fabius, qui avait un dada sur l'économie, a rendu obligatoire, il y a une dizaine d'années, aux épreuves du ministère des Affaires étrangères, l'épreuve d'économie. Voilà. Alors c'est grotesque, j'explique pourquoi. C'est pas une question de, c'est pas une épreuve d'économie comme on le poserait dans les universités, les facultés de sciences économiques. C'est une note de synthèse. C'est une note de synthèse à caractère économique. Donc il n'y a pas besoin d'être économiste pour faire cette épreuve. Mais il est absolument... Alors pourquoi je dis ça? C'est que comme cette épreuve est devenue obligatoire, les autres épreuves, dont l'épreuve de droit international, est devenue facultative. Et donc on a plein de candidats qui, du coup, ne prenaient pas l'épreuve de droit facultative et se concentraient sur l'épreuve d'économie. Or, on a plus besoin de juristes, de spécialistes de droit international que d'économistes. On n'a pas besoin d'économistes. Pourquoi? Parce que d'abord, dans l'épreuve, c'était une note de synthèse. Et puis surtout, on travaille avec, dans les ambassades, il y a plein de gens de Bercy, hein, il y a des missions économiques. Donc, eux, ce sont des spécialistes. On n'a pas besoin d'avoir en plus des diplomates spécialistes. En revanche, il faut absolument avoir des juristes. Donc, on était plusieurs, dont moi, à protester. Dans les concours, on disait, bon, on se retrouve avec des lauréats qui n'ont pas de connaissances en droit, c'est une lacune. Et donc là, le droit va revenir... dans les matières, je crois, obligatoires, ou alors, en tout cas, ça sera au même niveau que l'économie, ça sera à option. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi bien d'économistes que de juristes. Et, en tout cas, voilà, c'est ça qui compte, ce tableau. J'ai des collègues qui ont fait des IEP, j'ai des collègues qui ont des doctorats de géographie, j'ai des collègues qui ont fait des études de langue, mais qui ensuite ont fait, alors, je ne l'ai pas marqué, mais quelque chose qui est très, très, très utile, c'est ce qu'on appelle les CPAG. Centre de préparation à l'administration générale. C'est-à-dire, il y a plusieurs universités qui proposent des préparations au concours de l'administration. Donc là, ça permet de préparer les épreuves de droit, d'économie, de culture générale. Et après, il faut prendre des cours de langue. Voilà. Mais les IEP, je dirais que c'est, je ne sais pas dire la voie royale, alors, tout le temps que moi, je n'en sors pas. Donc je le dis avec toute liberté. Les IEP ont fait de tout. Mais je crois que vous aussi, vous faites de tout.
Donc voilà, quelque part, vous êtes, il faut avoir des super généralistes. Vous devez être des super généralistes, comme le sont les étudiants des IEP. En revanche, quand vous faites, moi j'ai fait une fac d'économie, c'était pas suffisant. C'est pour ça que j'ai fait aussi, quand j'étais à Dauphine, je faisais que de l'économie à outrance, l'économie internationale. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi Paris 1 pour faire de la relation internationale, pour compléter. Et c'est pour ça que j'ai fait des langues. Alors, ça veut me dire que ça fait plusieurs diplômes, ça demande beaucoup de boulot, mais oui, mais oui, il faut bosser, oui, ça c'est clair, il faut bosser. Mais j'insiste sur les langues, enfin j'insiste sur tout, quoi. Bonsoir, Naka Ogro en deuxième année. Merci pour votre conférence. Alors j'avais trois questions sur la diplomatie gastronomique. Ah, j'adore. Alors. On est à Lyon, hein, c'est vrai. Exactement, la ville de la gastronomie, la capitale même, je dirais. Enfin bref. Est-ce que tout d'abord, la préparation des menus fait partie du rôle du diplomate ? Ensuite, dans vos menus, est-ce que vous essayez de mêler une influence de gastronomie française avec la gastronomie du pays dans lequel vous êtes ? Et enfin, est-ce que vous effectuez tout de même un petit travail de recherche sur les préférences gastronomiques de vos invités ? Merci. Alors, je pourrais répondre rapidement oui à toutes les questions, mais je détaille. Alors, est-ce qu'on fait les menus ? Oui, alors ça dépend. Hein. Il y a des grandes, dans les grandes ambassades, vous avez un cuisinier, vous avez un intendant, l'ambassadeur, il a je ne sais pas combien de dîners par an, donc il peut donner son avis. Moi, je sais que mes deux postes de consuls généraux et d'ambassadeurs, je faisais le menu avec le cuisinier et la cuisinière. Mais alors moi, c'est parce qu'en fait, j'ai grandi dans la restauration, j'adore la restauration, j'ai fait des jobs étudiants dans des grands restaurants, et j'adore ça, j'adore recevoir, j'adore la gastronomie française, j'adore l'art de la table, en fait, c'est ça que j'adore l'art de la table. Et je mettais un point d'honneur, alors d'abord, à poser les menus. Deux, on doit absolument noter qui vient. Est-ce qu'il est déjà venu ? Qu'est-ce qu'il a eu quand il est venu, même s'il y a un an, pour ne pas reproposer le même menu ? On doit, c'est un devoir, s'informer à l'avance. Est-ce qu'il y a des allergies ? Est-ce que la personne est végétarienne ? Etc. Donc ça fait partie, mais. Bon, c'est normal, c'est l'hôte et l'hôtesse se doivent de faire ça. Alors, comme je l'ai dit, la table de l'ambassadeur de France doit être la meilleure du pays. C'est souvent le cas. Singapour, je peux vous dire, c'est la meilleure. Alors, à New York, non, parce qu'il y a plein de bons restaurants français. À Londres, c'est pareil. Il y a plein de bons restaurants français. Il y a beaucoup de pays où c'est facile d'avoir la meilleure table. Alors, après, derrière, il faut des ingrédients. Donc, les ingrédients, vous ne trouvez pas tout. Mais on arrive quand même à débrouiller. Donc, c'est bien aussi de trouver des ingrédients locaux. Et c'est bien aussi, parfois, oui, par respect, par de montrer qu'on connaît la cuisine locale, de faire pas de la fusion, mais oui, pourquoi pas. Règle de base. Alors, moi, j'ai mes deux derniers postes à l'étranger, j'étais en pays musulman, en charia, hein, Pakistan et Brunei, donc pas d'alcool. Mais c'est pareil, on a le droit, c'est un privilège diplomatique, on a le droit de faire venir des alcools. Naturellement, je ne servais que du vin français. Il est hors de question que j'aille servir du vin italien ou portugais, même s'il est moins cher. On ne sert que du vin français. Et puis j'ai répondu à tout, là. Ben voilà. Non, la gastronomie, alors ça, c'était vraiment une instruction qu'on a. Tous les ans, nous organisons un dîner de gala. Toutes les ambassades et les consulats dans le monde de France, on organise un dîner de gala. Il s'appelle Good France, goût de France, le goût, le bon goût, le goût de France, et en anglais Good France, pour que ce soit bilingue. Et ce dîner de gala se doit de proposer la cuisine française, éventuellement justement combinée avec des plats locaux. Et c'est un dîner de prestige où on doit inviter des gens. Alors, on ne va pas inviter la communauté française, on invite des personnalités politiques, des personnalités du monde culturel, du cinéma, n'importe quoi, pour justement promouvoir la culture française, la gastronomie française. Quand vous faites la promotion de la gastronomie française, vous n'imaginez pas la puissance que ça a. Vous avez des gens, ils mangent bien à l'ambassade de France, ils disent « Ah, mais en France, on mange la même chose, et même mieux, et tout. » Alors, bien sûr, plus cher, puisque là, vous êtes invité à l'ambassade. Mais du coup, ça incite des gens à venir en France, à faire des voyages gastronomique, du tourisme gastronomique. Et c'est pour ça la cohérence d'avoir rattaché le tourisme au ministère des Affaires étrangères. Moi, j'ai fait plein d'événements pour promouvoir justement la cuisine française, dont des concours de cuisine française.
avec quelqu'un qui est présent dans la salle. Et ça, vous n'imaginez pas le succès, le prestige de la cuisine française, de la gastronomie française, qui, je le rappelle, est classé dans les biens intangibles de l'UNESCO, comme la cuisine japonaise. Donc ça fait partie aussi de la diplomatie. C'est du soft power, ça, complètement. Soft power, c'est pas... Les Américains, ils ont réussi à faire du soft power avec du Coca-Cola. Chapeau, hein, mais franchement, je préfère faire du soft power avec la gastronomie française qu'avec du Coca et du hamburger. Hein. Voilà. C'est une belle introduction pour la conférence de la semaine prochaine. Oui. Nous avons l'Institut Paul Bocuse mardi prochain avec Maxime Oise qui, effectivement, va développer tous ces éléments beaucoup plus en détail. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Une dernière question? Bon, écoutez, merci beaucoup, bonne soirée et à mardi prochain. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la présentation? Oui, alors je ne sais pas quel poids elle fait là, donc je ne peux pas garder la clé. Merci beaucoup. Gardez la clé.